suis étudiant, je viens parler du mouvement étudiant. Excusez-moi, mais c'est pas très poli d'interrompre. Je suis désolé aussi. C'est pas très poli d'interrompre. Désolé aussi, parce que la télévision n'a pas invité un étudiant pour parler du problème étudiant. Je me tranche la gorge, si jamais vous approchez. Vous comprenez ? Je suis venu parler du problème étudiant. Dans une démocratie, un citoyen étudiant a le droit de parler de son problème. Oui. On attend qu'il y ait des vitrines cassées, qu'il y ait de la bagarre, qu'il y ait un mort, un petit Malik Houssekine. Et là, tout d'un coup, ça intéresse, parce qu'il y a du sang qui a coulé. Vous comprenez ? Mais autrement, l'éducation à la télévision, on s'en tape. Oui. Écoutez, non, mais là, c'est pas le sujet, on va pas parler d'éducation. Mais ce sera jamais le sujet à la télévision. Vous avez du Le Pen, vous avez du machin à la une en permanence. Les élections, vous ne parlez rien, pas de programme, vous faites simplement d'aligner des chiffres et des statistiques. Bon. Vous foutez de la gueule du monde en permanence. C'est pas pour rien que j'ai amené non, ça. Mais cette violence, elle sera contre moi et c'est vous qui l'exercerez, médias, en me censurant. Non, mais la vie est trop précieuse. La vie n'est précieuse que si on la laisse s'exprimer en liberté.